Le dimanche 5 mai 2013, l'association des vaches cocardières a invité le public à une course de vaches comptant pour le trophée Philippe Thiers. Deux manades s'affrontaient sur le terrain des traditions à cette occasion, le Brestaloup et Blatière-Bessac. Le village avait installé des arènes démontables pour aider au déroulement de sa fête votive. Côté homme, du bon et des noms qu'on retrouvait avec plaisir. Coupe de la cocarde, 30 euros, Thibaut Douville. C'est la manade du Brestaloup qui avait l'honneur d'entamer les débats avec Girouette, une demoiselle de 6 ans. Pas dangereuse, sans vice et généreuse. La course commençait à plein régime. Il fallait tout juste une centaine de secondes pour que cocarde et gland tombent. La cocarde, ainsi que le premier gland à 30 euros pour le rasateur Kevin Catalade. On ne donnait pas cher des ficelles, d'autant que Girouette, portant bien son nom, Rodolphe Roux, le deuxième gland à 30 euros. Sa silhouette fine fusait dans toutes les directions, sans être une grande poursuiveuse. Il n'y a pas, il y aura de Clarensac, qui organise sa fête le 31 mai, le 1er, le 2 juin, à 2 euros de plus. Jean-Louis Allier, président du Club Taurin Bio et Taurus Bonajol, 2 euros de plus. Il lui arrivait cependant d'allonger sa course. Peu avant l'ultime minute, elle nous offrait une belle série et ne semblait pas se fatiguer facilement. Elle a gardé le rythme pendant quasiment 10 minutes et a laissé tous ses attributs en piste. Elle n'en demeurait pas moins une très bonne première. Deuxième ficelle, Jean-Louis Ricci, à 38 euros. Coupe de la cocarde, Kevin Catalade, 30 euros. C'est une vache expérimentée qui devait suivre la première. Opale, 14 ans, inspire la méfiance et les rasés sont calculés. Les gars, venez. Cocarde Jean-Louis Ricci, 30 euros. Celle-ci, il faut aller la chercher et avec elle, le défi est permanent. Fabre Didier, 2 euros de plus. Le premier gland, 54 euros, Jean-Louis Ricci. Il fallut la moitié du temps pour désencocarder l'animal et crocheter les glands. 2 euros de plus. Le deuxième gland, 40 euros, Kevin Catalade. La course connaissait une autre allure avec la manade héroltaise. Et sur la fin, Opale était un peu délaissé. Son titre de cocardière d'or en 2010 et la crainte qu'elle a inspirée lui ont permis de rentrer ses ficelles. Ah,
Retour à la jeunesse avec Ariane, 6 ans, dynamique et maîtresse des lieux. Face à elle, nombreux furent les rasés à blanc et il était fréquent que le crochet ne touche pas les cornes. Son pouvoir d'anticipation, comparable à celui de son aîné Opal, l'a protégé, sans oublier son approche à la barrière sur Kevin Cartalade et Thibaut Douville, ce dernier d'ailleurs, qui marque un acharnement persistant en fin de prestation en vain. La Martial Paysage, 2 euros de plus, c'est William Dumas, conseiller général. Porte. Un élément qui promet et qui ramène gland et ficelle au touril. Les tourneurs mettaient à profit un moment de pause pour tenter de réparer le marchepied, cassé quelques instants auparavant. Leur tâche accomplie, on pouvait passer à la suite de la course. Coupe de la cocarde. Kevin Cartalade, 30 euros. La première partie prenait fin avec Hermine qui favorisait la reprise des rasés sur un rythme effréné. En moins de 3 minutes, on en était officiel et on pensait que la vache n'irait pas au bout de sa prestation. Premier gain, Sylvain Salinetti, 32 euros. Deuxième gain, Jean-Louis Ricci, 36 euros. Mais au moment des ficelles, la course changeait de physionomie et les rasés se raréfiaient. S'ensuivait une nouvelle vague de rasés à blanc et un animal en déplacement perpétuel, à l'instar des hommes, dont l'efficacité devenait relative. SRL, boulangerie, boulanger, à Clarensac, c'est comme Marujol, 2 euros de plus. La Nagiaba, restaurant à Nagé-sur-l'Orgue, 2 euros de plus. Monsieur Vincent Allier, maire de Saint-Com, porte la première... Tandis que les enchères montaient, les rasés s'espaçaient. Les instants suivants voyaient la vache triompher et sauver ses ficelles. Une victoire de l'animal qui a pris sa source dans l'abandon des hommes. La pause salutaire était brillamment animée par la peigne à Los Caballeros de Bellegarde pour le plus grand plaisir du nombreux public présent. La seconde partie de la compétition était confiée à la manade Blatière-Bessac. Ambre était la première à représenter la manade du Mazézisque dans les arènes mobiles. Âgée de 8 ans, Ambre présentait une belle personnalité. D'entrée, elle se collait cul à la planche et défiait quiconque de venir l'en déloger. Gare. On dut attendre la fin de la deuxième minute pour voir la situation évoluer. Quelques rasés à blanc, après quoi la vache attendait encore. 2 euros de plus. Et la Peña Los Caballeros de Bellegarde. La vache dominait, tout au moins jusqu'à plus de 7 minutes, quand Kevin Cartalade s'est lancé et coupé la cocarde que Jean-Louis Ricci récupérait dans son crochet une poignée de secondes plus tard. Coupe de la cocarde, 90 euros, Kevin Cartalade. Allez. La cocarde, 90 euros, Jean-Louis Ricci, 2 euros de plus. Gérard Batifort, président de la Fédération française, de la course camarguaise, 2 euros de plus. Plus grand chose se produisait ensuite, et au moment des clarines qui libéraient hommes et bêtes, Jérôme Deslys parvenait à l'issue d'un dernier rasé à attirer Ambre jusqu'aux planches. Les glands et les ficelles étaient une nouvelle fois sauvés. À Clarensac et Nîmes, 2 euros de plus à la cocarde. La sixième vache invitée à cet après-midi de Mouvines s'appelle Gisèle. Une valeur sûre et connue de celles et ceux habitués des courses de cocardières.
On la connaît surtout pour son énergie débordante. C'est une poursuiveuse infatigable qui peine à se stabiliser. Elle était tout le contraire d'une cantonnière. Aussi, le premier rasé se produisait avec Michael Lopez 90 secondes après le début de sa course. Après, les hommes s'engageaient et en l'espace de 5 minutes, la cocarde et les glands tombaient. 50 euros. Voilà, 50 euros la cocarde, Thibaut. Double. Premier gland. Premier gland, 30 euros, Jean-Louis Ricci. Deuxième rang, Rodolphe Roux, 30 euros, 2 euros de plus. Les vignobles du soleil, 2 euros de plus. Didier Rodolphe. Jean-Louis Aguier, président du club touristique. La Peña, Los Caballeros de Bellegarde, 2 euros de plus. Le marchand de crêpes et de chichi dans les arènes, 2 euros de plus. Le trophée Philippe Thiers, 2 euros de plus. La Nagia, bar restaurant, la Nagia, 2 euros de plus. Et Gérard Batifort, président de la Fédération française de la course camarguaise, 2 euros de plus. Les amis de Thibaut Douville fut le dernier à s'acharner en vain. Mais le succès tardait à venir malgré la montée des enchères. A tel point que pendant toute la dernière minute de course, plus rien ne se produisit. Elle a dominé les hommes, vu qu'elle a été rasetée, a répondu à tout et a conservé ses ficelles jusqu'au bout. Messieurs les raseteurs, dernière minute de course. Elle est là chez Catatita, elle l'aura. Décidément, le bétail de Blatière-Bessac est doté d'une belle présentation. Il y aura une vache de 8 ans, ne fait pas exception à la règle. On croirait voir un bio. En mouvement permanent, elle soulevait des nuages de poussière impressionnants, d'autant que la piste n'avait pas été arrosée. On n'a pas trouvé la clé pour libérer l'eau de la borne incendie. Aussi, si l'émotion était au rendez-vous, la poussière sur les chaussures aussi. Pose cuisine et salle de bain, 45, 2 euros de plus. Coupe de la cocarde pour le raseteur Sylvain Salinet. Les hommes travaillaient dur, mais elles parvenaient d'un bond à s'extraire du rond. Puis encore de l'action et les deux glands tombaient l'un après l'autre. Il restait 5 minutes pour les ficelles. Thomas Dumont, 32 euros. Deuxième gant, 30 euros, Sylvain Salinez. Mais Eliora faisait preuve d'une combativité incroyable. Après un saut derrière Rodolphe Roux, la vache présentait un problème à l'arrière-train. Elle dut retourner au toril avec ses ficelles. Elle s'est blessée en sautant et en sortant de la contre-piste. Elle a tapé avec l'os lamalus qu'on appelle. C'est l'os, le sommet de l'os de l'ange qui n'est pas un os porteur. Mais c'est douloureux, disons, ça entraîne des boiteries. Généralement, ça se guérit. Mais quand on regarde une bête qui a malugué, elle est déportée un petit peu. Il y a les deux crêtes iliaques, il y en a une qui est cassée. Et là, on l'a vu déjà, l'os est cassé, donc ça donne une douleur assez violente à la bête. Ça demande du temps, parce que c'est un processus d'ossification, donc ça demande du temps pour réparer. Mais en fait, il y a beaucoup. Il y a certaines bêtes qui ont été amaléguées, ce qui ne les a pas empêchées de faire carrière éventuellement. Alors... Cora, la dernière à sortir, ne trahissait pas ses consoeurs de par sa silhouette. Elle n'effrayait pas les raseteurs qui l'affrontaient sans faillir. Et elle ne refusait rien et rien ne l'arrêtait. Pas même à la barricade, et devenant belliqueuse, elle passait sa colère sur le matériel et parfois même sur les hommes.
C'est brave. Venez, le cocarde de 32 euros, Thomas Dumont, ainsi que le premier gang à 30 euros. Là ! Allez ! Allez ! Hey ! Remets-la, là ! Les portes des arènes se souviendront longtemps de ces coups de corne. La vache à nouveau rasetée, Kevin Cartalade faisait la première ficelle. La lutte continuait jusqu'à ce que les clarines interrompent la partie. Il restait une ficelle à prendre. Première ficelle, 32 euros. Kevin Cartalade. Avec cette course, on entrait de plein pied dans la compétition du trophée Philippe Thiers et les conditions dans lesquelles a été vécu cet après-midi de Bouvines rappelaient quelques souvenirs. C'est toujours sympathique de voir dans des arènes comme ça, même si c'est des arènes portatives. Enfin, ça rappelle un petit peu les histoires de fêtes votives que j'ai connues. Et il y a encore cet esprit un petit peu, là, le club organisateur, la Bio Vitoros, qui organise ces deux ou trois journées-là, font quelque chose d'intéressant. Et bien, la course de vaches d'après-midi a été intéressante, je crois, avec des vaches différentes. Il y avait deux manades, la manade du Brestalou et les nôtres. Je crois que le public a des raisons d'être satisfait de l'ensemble de la course. Et avec une belle estampadure, hein, parce qu'on peut dire qu'elles ont des silhouettes quand même. Oui, là, les deux dernières qui étaient plus jeunes et qui avaient moins d'expérience, qui ont été un peu sauteuses sur la course, mais enfin, qui ont été quand même intéressantes. Il y avait de la carcasse et il y avait du bois aussi sur la tête. On peut dire que vous êtes que le bétail a un comportement à la hauteur de ce que vous pouviez espérer. Oui, là, moi je me suis venu, j'ai passé un excellent après-midi, tant les bêtes du confrère Manadier que les miennes, enfin, celles de la manade de Blatire-Bessac.